Après, il y a 6 places qualificatives. Point à nous de savoir où on veut être. Point vous dites ça, parce que avait payé pour apprendre que terminer premier de la saison régulière ne donnait pas de titre. On ne va pas s'excuser d'avoir terminé premier non plus. Sourire. Son projet de jeu est différent de celui de Jacquitte, oui. Mais, avec son effectif, Montpellier peut jouer tous les rugby. Rugby de passe, rugby de déplacement, rugby frontal. Ils ont tellement de joueurs interchangeables, et tellement de qualité à chaque poste, qu'ils peuvent évoluer dans plusieurs registres. Mais Vernet, c'est vrai, plus porté sur l'offensive, la prise d'initiative. Avec, en plus, un nouveau numéro 10, Aaron Crudan qui permet beaucoup plus de variations dans les lancements de jeu. Du coup, La Rochelle et Montpellier se ressemblent? Si on met côte à côte, les deux lignes de trois quarts, on va avoir l'impression qu'on est des U12, rire. Ils sont tous plus grands, plus costauds, plus rapides, je ne sais pas, mais ils ont peu d'équivalent. Au milieu de terrain, Jean Serfontein et François Stéin, ou Nadolo et Nagusa aux ailes. Si je rajoute Thoman, non, il ne faut vraiment pas prendre une photo à côté d'eux, sinon on va faire rire du monde. Le seul qui pourrait jouer chez nous, en termes de taille, c'est Benoît Payog, rire. Montpellier, puis les Ouas en champion Q. Les semaines à venir s'annoncent musclées, on sait pas trop où on va, entre la réception du leader du top 14, et cette double confrontation contre les Ouas qu'on n'a jamais affronté. Sa prestation vous a satisfait? C'était plutôt bien, oui, pour un premier match.
plutôt cohérent. Point. Il est encore en phase d'observation donc, il commet des petites erreurs, parce qu'il prend encore ses marques. Mais quand il prend une décision et joue à fond derrière, c'est tout de suite le geste juste, le décalage, le plaquage cassé. Il peut apporter une réelle plus-value à l'équipe. Et humainement, c'est un joueur qui a un fonctionnement à l'ancienne.